La famille, avant que cette vidéo commence, je tenais juste à remercier toutes les équipes qui ont taffé sur cette vidéo et Un gros merci également à Crunchyroll qui du coup sponsorise mon écurie avec mon futur mate, Monsieur X. Comme vous le savez, c'est une plateforme de streaming avec le plus grand catalogue au monde. Si tu sais pas ça en 2023, hachem poto. Tous les épisodes qui sortent au Japon sont diffusés à peine quelques heures en France. Du coup, ils sont archi vifs là-dessus. Ils ont plein d'exclus. Dessus, vous pouvez retrouver Jujutsu Kaisen, Demon Slayer, qui est derrière moi, et Shingeki no Kyojin, par exemple, l'attaque des Titans. Et la famille, j'ai réussi à négocier une offre de zinzin avec Crunchyroll. J'ai fait le forceur à mort. Et grâce au lien qu'il y a dans ma description, et grâce à Crunchyroll également, vous avez 2 mois d'essai offert. Voilà, normalement, c'est 14 jours. Là, vous avez 2 mois. Je vous mets bien. Profitez, la famille, c'est cadeau. Et merci à Crunchyroll. Ouais, le daron, vu qu'il est sorti du GP, qu'il n'est pas apte à faire la course comme on a pu voir dans l'épisode 1, je me retrouve avec une combi sous le coude et je me suis dit pourquoi pas aller dans le 9-2 à Suresnes, là où j'ai grandi avec mes frérots. Et je suis convaincu de pouvoir trouver quelqu'un là-bas qui sera digne, on va dire, de porter le numéro 9-2 et de me rejoindre en coéquipier pour le GP. J'ai l'impression que je devais retourner ici, dans cette cité où j'ai grandi, c'était Jardamont. Ça n'a pas trop la dégaine d'une cité. Et j'ai l'impression que c'est ici que je peux trouver mon deuxième mate pour le GP, mon deuxième coéquipier. Et je pense que j'ai besoin même carrément de capter mes potes, mes frérots avec qui j'ai grandi, vous les présenter. Et qu'on se mette à trouver ensemble la personne qui pourra porter le 9-2 fièrement. Comme vous le savez, tourner l'épisode 1 du GP avec le daron, c'est un échec. Pourquoi ça derrière? Tu as rien laissé. Et du coup, il y a le Billy 9-2 qui se libère. Et j'avais l'impression que je devais revenir à Suresnes pour trouver un peu à qui ça pouvait aller, là où j'ai grandi. C'est pour ça que j'ai mis 9-2 de base. En vrai, logique. Et les frérots, est-ce que vous pensez à qui je pense pour ce num-là? En vrai, moi j'en vois qu'un seul. Il m'a un ton, il a le permis depuis 2 mois. Je pense qu'il y en a un qui doit représenter, je pense que c'est lui. Hein. On va l'appeler Monsieur X. Monsieur X, Monsieur X. Je pense à Monsieur X. Je vais le contacter, je vais voir où est-ce qu'il peut nous donner rendez-vous. Et dès qu'il me dit là, on décolle. Et le square, c'était le lieu de rendez-vous de tous ceux qui habitaient dans tous les bâtiments autour, la Cité Jardin. Et on y allait, mais limite, on faisait des journées de taf là-bas. On y allait bon, pendant les vacances. On allait à 10h le matin, on repartait à 23h le soir. Mais genre, on passait notre temps sur le synthé qu'il y avait à jouer à dodu, en fait. On jouait aux cartes, ça faisait des loups-garous, des débats sur les bancs là, qu'il y a juste au bord du terrain. Après, on allait faire un basket. Tous nos souvenirs, en fait, on s'est construit ici. On s'est construit ici. C'est juste du bitume, tu vois. C'est un terrain de basket, il n'y a rien de plus. Mais le temps qu'on a passé là à faire des débats, à se disputer, à se bagarrer, se réconcilier et tout, j'ai l'impression que c'était ça l'école de la vie pour moi. Et c'est là où j'ai tout appris dans ma vie. Moi, je trouve qu'il y a un parallèle à faire entre tous ces moments que j'ai passés avec mes gars dans ce fameux square ou à la Cité Jardin, avec ce que je fais aujourd'hui. Parce que les concepts auxquels je peux penser aujourd'hui, bon, avec plus de moyens pour les mettre en œuvre, et ben en fait, c'est des trucs qu'on faisait déjà à l'époque. On faisait tellement des trucs de débiles que j'ai grandi un peu avec cette méta-là dans ma tête et j'avais juste à reproduire ce que j'ai vu toute ma vie avec eux sur Internet. Oh Pedro! Ouais Pedro! Pedro, c'est simple, c'était mon meilleur ami quand j'étais petit. On allait au foot ensemble. Bon, il avait un niveau 10 fois supérieur au mien. J'étais tout le temps fourré chez lui et des fois, il m'arrivait de dormir 3 jours chez lui. Vu qu'il habite à une cour de la mienne, je savais que si j'avais besoin de retourner chez moi prendre un truc, je pouvais le faire et retourner chez lui. J'étais un peu gêné qu'il y ait des caméras parce que c'est une relation tellement intime que je sais pas, même moi, je commençais à être timide, à pas vouloir le regarder dans les yeux ou regarder la caméra, regarder mes pieds et tout. En plus, ma mère me parlait de toi, là, il y a 2-3 jours, elle me disait, c'est quand il m'avait dit, il allait venir et tout. Ouais, frérot, ça date, hein. J'étais passé il y a... Je t'ai occupé après. Ouais. Et là, quand je suis passé, j'ai vu la fenêtre ouverte, je me suis dit, ah, peut-être qu'ils sont à la maison. Oui, t'as appelé Pedro du coup. Ouais, j'ai appelé Pedro. Voilà. Son meilleur ami depuis qu'ils sont petits. Ouais.
C'était incroyable, ça, c'est vraiment ma deuxième famille. Et Lucie, qu'on a pu voir aussi, c'est ma deuxième mère aussi, en quelque sorte. Bon, c'est un peu perdu de vue depuis que j'ai déménagé, parce que j'ai plus trop le temps de venir, etc. etc. Mais c'est vraiment ma deuxième vie, ça m'a fait plaisir de tous les revoir déjà en bonne santé, en forme. Mais ouais, toute la bande que vous voyez là, c'est tous mes frérots avec qui j'ai grandi. Et je suis très très fier d'eux parce que on n'est jamais tombé, je sais pas, dans des conneries peut-être évidentes dans lesquelles on aurait pu tomber, dans une sorte de facilité. Eux, ils ont tous continué leurs études, donc tous mes gars, ils ont des qualités de ouf. Bon, vu qu'on est parti sur une bonne lancée avec l'épisode 1 sur les trucs intimes dans ma vie, là vraiment je suis à découvert, là. Je montre l'endroit où j'ai grandi, les frérots avec qui j'ai grandi aussi, comment ils sont, comment je suis avec eux, et c'est pour ça que je voulais continuer l'aventure avec eux là surtout. Bah, le temps que le rendez-vous avec Monsieur X, ce fameux Monsieur X, se fasse dans le 9-2, je me suis dit qu'on allait aller dans mon bureau de stream avec mes gars et qu'on allait juste se poser, parler un peu. Et direct, quand on est arrivé, je sais pas pourquoi, il y en a un qui a évoqué un peu les threads d'horreur de Squeezie. Du coup, ça nous a mis un peu dans une ambiance horreur. Et du coup, ça m'a direct fait penser à une histoire qu'un viewer m'avait racontée. Ah, mais là, c'était en nuit, c'était peu éclairé. Il regarde au loin, il voit comme des sortes de flashs, un peu. Comme s'il y avait vraiment la soirée. Et je te dis ça parce que justement, eux, quand ils arrivent en vélo, déjà, ils se perdent un peu dans les bois. Et quand ils arrivent à l'endroit, c'est tout sauf une soirée. Les frères, je sais pas pourquoi je vous suis. La sens pas cette histoire. Wesh. Y'a y a que moi qui ai une salopette là. T'es malade des gaines, frère. Mais non, t'es BG, frérot. Oh, vas-y, venez, on y va. J'espère qu'elle est pas longue la soirée. Frérot, y'aura de la meuf de fou. Je sais pas si tu vois, c'est qui Natacha au quartier, enfin ouais. Au village. Il y aura Natacha, il y aura Mylène, Barbara. Natacha, la meuf de Bradley. Ouais, la meuf de Bradley, exact. Comme ça, y a rien, frère, depuis le début. Vas-y, t'es. C'est dans ta tête. Eh, les frérots, je crois que je me suis trompé. J'arrive pas à retrouver le vrai chemin là depuis tout à l'heure là. Tu sortes la carte? Vas-y, sors là, s'il te plaît. Non, les gars, j'entends, mais c'est pas un bruit bizarre? Attends, des bruits moi, bizarres? Moi, j'ai entendu là. T'arrives pas à trouver? Galère. T'arrives pas à trouver? Elias, toi, tu sais, c'est par où, non? Elias? J'aime pas. Wesh. Elias! Yes! James! Elias! Oh, tout ça pour une vieille soirée! J'arrive comme Nas en soirée belly, la mule ressemble à Ali Berry. Le flash blanc comme Jelly Belly, Aster, c'est fuck les séries. Que des faits réels comme Underbelly, Air Force One comme Nelly. Malheureusement, à la Belek ou Belly, je vais pas me branler sur mes délits. La gomme de la haute gamme provient du pays. Willy. Bitch, je suis steady, really ready. Dernier turbo, Platinum Day-Day, Platinum Day-To. On veut des Bernis Burgos sans le bodyguard de Bernis Burgos. J'écris ce couplet dans le parking en bas chez WAM. J'envoie des roquettes comme Hakim Olajuwon. J'envoie des missiles quand j'arrive en action. Fais bugger le radar quand j'annule leur maximum. J'embranche le rap comme la devient des patinoles. Fais les good privacy, mon crew envoie signal. J'fais tout de mon côté quand j'arrive en action. Ce bordel. Putain, mais où est-ce que je suis? Qu'est-ce que c'est que ça? Y'a qu'à moi que ça arrive, ces trucs-là, putain. J'en ai marre. Wesh. Putain, mais c'est quoi ce truc? Ça se termine jamais ou quoi? Pétards mouillés sont tous de merde.
construit avant du blé, faut de la nuit. Chase le bail, sur ma vague, pas de face defense. La compo copie comme un sketch, des gars sont jaloux du navire, peuvent que mettre les caisses. J'suis là dans le coffre, que de la pète et des frappes, j'suis pas venu pour voir qui me déteste. Chase le bail, sur ma vague, pas de face defense. Ils deviennent ces commis par le mal, mais dedans me tiennent le décorie. Écoute les gamins, faut que je les humilie. J'préfère le bigamy, un peu dédignalisé. C'est me faire mal, mais je ressens que déguise. J'essaie d'imiter, mais ça sonne comme des gueulis. J'sais que la concu observe mes techniques. J'ai des enfants plus vieux que moi, mais qu'elle le démon là, des gueules. Des gueules, des gueules. Des frérot, hey, je suis fan de tes sons depuis Freebase Volume 1. You know what? Là, c'est bon, t'es venu me chercher. J'ai atteint ma forme finale pour le GP. Maintenant, let's go, man. Bah écoute, frérot, là, on est sur le circuit de la Châtre. À pas confondre avec la chatte. C'est un petit circuit de F3, étrangement, c'est de la F3, pas de la F4, ça veut dire que les voitures elles bombardent un peu plus ici. Mais voilà, du coup c'était l'un des seuls circuits disponibles en France pour pouvoir le privatiser et venir rouler avec le frérot. Donc voilà, on a saisi l'occasion, on est venu rouler ici. On a un super coach, enfin un super entraîneur, Joël, qui est bien à l'ancienne, je sais pas si les gens vont remarquer. Le pilotage sur un circuit, c'est pratiquement une science exacte. Hein. Tout est paramétré, tout est millimétré. L'improvisation, ça n'existe pas. Bah frérot, le daron, j'ai l'impression que ça m'a débloqué un palier de discussion avec lui. Là, on parle de choses dont on n'avait jamais parlé avant. Il me parle toujours des, des fameuses pédales qui étaient trop loin par rapport à ces gens. Et le daron, je l'ai remplacé. D'ailleurs, il me demande souvent par qui, mais je l'ai remplacé avec Kukra. Oui, Billy. Starla, frérot. Merci d'avoir pensé à moi pour le GP. Bien sûr, je suis bouillant, t'es fou. Laisse-moi juste checker mon planning, je te redis ça. Mais normalement, ça va être énervé, t'as les fous. Il a directement été chaud. Il m'a dit, let's go. Le lendemain, il m'a rappelé. Il m'a dit, frérot, j'ai vu le docu de Squeezie. J'ai vu les vidéos d'Intel, sa vidéo, truc, machin, tu sais, du GP de l'année dernière. C'est un coup de fil. On s'était vu juste avant que j'étais en France. Et il m'a appelé, voilà, il m'a expliqué. Parce que moi, je savais qu'il faisait le GP. Donc, j'étais super content pour lui et tout. Surtout l'aventure avec le tonton. Pour son dernier album, Stratos, il était un peu dans un délire. Tu sais, celui qui a fait le saut, qui a, depuis l'espace, qui a cassé la barrière du son, là. Il était un peu dans un délire de sensation forte, déjà. Quand il a vu ça, c'était directement raccord avec son délire du moment, tu vois. Le truc, c'était fallait maintenir ça secret, tu connais. Fallait maintenir ça secret. Et donc voilà, alors on parle là tout de suite, personne ne le sait encore, et ça c'est lourd. Ils font les mecs à vous, c'est mieux que moi, c'est pas les mêmes. Alors concernant le pilotage, hein, le pilotage c'est un sport à part entière. Et comme dans tous les sports, il existe des techniques de base, on s'est forcé de travailler un petit peu aujourd'hui. Mais au niveau pilotage, le freinage, c'est ce qu'il y a de plus important. Ce qui permet bizarrement d'aller vite, quand c'est bien maîtrisé le freinage, et c'est aussi la sécurité. Non, ce qui me tue, c'est que Joël, il a fait un cours de genre 1h30, et en fait, que Krell n'arrêtait pas de bailler, mais il n'y a que moi qui entendais vu que j'étais à côté de lui, mais vu qu'il a le masque, on a l'impression qu'il a les épaules comme ça, qu'il est grave attentif, bon élève. Ça se trouve, il a les yeux fermés, ça se trouve, il est en train de, de se reposer un peu, et ça m'a fait gueulerie. Franchement, il a dû bailler au moins 30 fois. On sort du Pifaf et on va arriver ici dans le virage du Rio. Et vous allez arriver à 4005 en troisième sur l'exercice. Franchement, bah après celui de Dijon là que j'ai fait la semaine dernière, franchement, tout est du gâteau. Hein. Celui de Dijon, il était hoche de ouf. Mais là, il a l'air assez nerveux le circuit en vrai. Hein. Genre, il n'y a pas beaucoup de lignes droites et tout. Tu vas tout le temps dans des virages, dans des trucs, ça va être physique.
En regardant ces images-là, je me dis que c'était osé de ma part de demander ça à Kekra, sachant que c'est un artiste et que c'est peut-être dur de dévoiler autant de sa personne sur un tel événement, alors que sa zone de confort, ça reste le studio, ça reste les sons, tout cet univers musical-là. Donc le fait qu'il l'a accepté, je ne m'y attendais pas du tout et j'étais archi content. Donc revoir ces images-là, je me rends compte à quel point c'est fou tout ce qui est en train d'arriver. Et pour te resituer un peu, Kekra, c'est un frérot à moi. Depuis très longtemps, on a un peu de la mif en commun. Et il habite pas loin de chez WAM. Tu vois, moi, j'ai grandi à Suresnes, j'étais un peu à Nanterre aussi. Et lui, c'est Courbevoie. Donc, c'est juste à côté. C'est un mec grave écouté dans le 9-2 de base. Je te parle de ça il y a peut-être 10 ans en arrière. Et ça s'est exporté partout en France. Hein. Et même au bled, maintenant. Mais ouais, c'est par la musique de base. Hein. C'est par la musique. Billy, maintenant, ça remonte à beaucoup de temps. On a de la famille en commun et on s'est rapprochés vraiment. Ça fait quelques années maintenant. Et il a toujours été là pour moi dans le sens où ça venait, c'était vraiment naturel. Il voulait toujours me mettre en avant. Il te gêne devant parce qu'il roule pas assez vite, mais là, bientôt. Ah, oh, t'es comme ça, filme ça, filme ça. On appelle les frères pour faire la guerre. Et puis après, quand ils sont pas là, on tire par derrière. Retenez bien les enfants, l'esprit d'équipe. Voilà Billy, votre exemple. Merci Joël, monsieur Franck Ducollier. Il est là, il te dit les choses directes. Entre chaque session de roulage un peu, tu sais, Joël, il nous fait un petit compte-rendu et tout. Et je sais pas, il était grave team Kekra. Et la tranchée, il a pris l'homme masqué. Mais il sait même pas qu'il me donne des coups de pouce à ce moment-là, parce que lui-même, il sait même pas qu'il peut mettre des coups de pouce, et moi non plus. Jusqu'à un moment, les gens, ils se disaient que je le payais carrément. Et de fil en aiguille, à force d'écouter ce qu'il fait lui, de le capter, etc., etc., j'ai capté que c'est un mec qui avait les mêmes valeurs que moi, mais on se reconnaît dans pas mal de trucs, et surtout on a la même mentale, je pense. Hein. C'est un confident pour tout ce qui touche ce milieu-là, tu vois, pour moi. Mais c'est un peu différent parce qu'il est masqué, le frérot. T'as jamais vu mon visage fuité dans ma ville, y a personne qui m'a pris en photo de loin. Parce que justement, les gens ont compris que c'était pas juste un concept. Quand je suis avec lui, des fois à Paris, il m'est déjà arrivé de prendre des photos. C'est-à-dire que c'est moi qui tenais l'appareil photo pour des gens. Si je suis encore vivant, un jour je regarderai cette vidéo et je serai loin, tout ça, tu vois. Et je la regarderai qu'un petit sourire en coin. Comme j'ai toujours dit, si j'avais pu faire un autre métier qui ne nécessiterait aucune exposition, je le ferais direct. Même si c'est un peu moins bien payé. Un tout petit peu moins bien sûr. Pas trop non plus. Mais je sais pas si vous avez filmé ce matin. Mais il faisait que de caler en boucle. Bon, je parle comme si j'étais un ancien de la course, mais en vrai, 3 sessions sur 3 circuits différents, ça fait une diff de fou et je cale quasiment plus. Dans un premier temps, j'apprécie l'aventure, j'apprécie l'instant. Le but aussi, c'est quand même de bien se classer. On va pas se mentir. Tu vois, il progresse vite, il progresse bien. Il prend son temps et il est moins fougueux que moi. Tu vois, moi, je grille trop d'étapes. D'ailleurs, Joël, il veut ma peau. Donc en vrai, ça peut être une petite surprise hein, dans ce GP. Ça peut être une surprise, plus que moi en tout cas. En fait, dès que je finis un tour, j'ai hâte de commencer celui d'après encore plus rapidement pour gagner juste 2 secondes. Et ça me fait trop kiffer, ça. C'est l'ancienne école, hein. Ils sont durs un peu avec toi. Non, mais on va y arriver. Quand tu regardes ça à la télé, tu vois l'iPhone, les mecs qui démarrent, ils n'ont pas d'embrayage, tout ça. Donc, mais là, il faut maîtriser l'embrayage, tu as vu que déjà, ça prend du temps. Un coup, je rétrograde le machin, un coup, le fessier. Essaye de te concentrer sur l'exercice et t'appliquer. Parce qu'a priori, là, tu ne maîtrises pas très bien la pression de freinage au départ. Il faut le faire.
tu freines. Il faut que tu freines. Tu freines et aussitôt tu vas être ouvert. Ne pas attendre pour être ouvert. Okay. Il faut que tu essayes de faire tant que ton volant est droit. T'as entendu, frérot? Ah, il a dit que c'était bien, moi. Hein. Ça, faut mettre en 4K, ça. Un miracle. Bon. Inch'Allah, t'as Joël. Mais Joël, tu nous donnes quelle note sur 10? Ah ouais, qui craint. On verra ça à la fin de la journée. Motive-nous, chauffe-nous, Joël. Joël est venu avec un fusil qui nous tire dessus. Toi, t'as pas fait ça. Toi, t'as pas fait ça. Mais la quatrième dans la ligne droite, je sais pas, j'ai l'impression ma mes organes et ma merde, genre, elle s'enfonce, genre, tu sais, avec la vitesse. La F3, c'est vrai que ça bombarde plus, mais je sais pas, je préfère même la F4, je pense. Et le circuit, là, il nous a ouvert un peu plus d'espace. Il n'y a plus d'exercice de freinage ou quoi. Donc, on va voir ce que ça donne. Hein. Ouais, je me sens moins à l'aise qu'avec les voitures, tu sais, de la FFSA, F4 et tout. Et je sens que c'est chelou à conduire, tu vois. C'est, on dirait des voitures 1990. C'est genre, c'est les sensations, elles sont très brutes. Tu freines, il faut pas que tu débrailles, hein. Il faut que tu restes que sur la pédale de et à voir cet après-midi. Ça va nous laisser le circuit en entier, comment ça va se dérouler. Hein.